dépêche-toi. Quand tu auras fini, tu partiras au Mexique. J'ai cherché dans tout le temple et je n'ai trouvé que deux talismans. Vous êtes sûr qu'il y en a trois? Oncle est catégorique. Demande donc dans le village d'à côté. Je veux que vous suiviez Shan. Surveillez-le de près. Il pourrait nous créer des problèmes. Jade. Salut Jackie. Jade, qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais être à la maison avec l'oncle. Tu m'as dit de rester avec l'oncle. T'es mon oncle aussi. Jackie, voici Paco. Hola, señor. Puisque vous êtes là, venez au combat de catch de ce soir, à Lucha Libre. Je sais pas, je crois qu'on n'a pas le temps. Tu devrais regarder le poster d'un peu plus près. Oui, El Toro Fuerte va combattre ce soir. Jamais entendu parler de lui? Jamais entendu parler? El Toro Fuerte est le plus grand catcheur de tout le Mexique. Je suis son plus grand fan, il est imbattable. Regarde sa ceinture. Ah, c'est le dernier dal... Je veux dire, oui, on y sera. On va acheter nos billets tout de suite. Il vaut mieux, c'est toujours plein. Par ici, monsieur Shan. Mais c'est pas si bon pour moi. Mais puisque tu es là, je pourrais prendre des notes sur tes aventures dans mon carnet. Ok, dis-moi ce que tu as fait depuis notre dernière rencontre. Thank you.
Depuis quelque temps, il se passe quelque chose de bizarre au temple. J'ai hâte de voir les combats de catch de ce soir. Vous devriez venir, ça vaut le détour. Vous avez acheté vos billets pour le combat? Hola, je voudrais deux billets pour le combat de ce soir, s'il vous plaît. Je suis vraiment désolée, mais le combat est annulé. Nous sommes tous très déçus. Pourquoi est-ce annulé? Le groupe de quatre musiciens qui devait accompagner le spectacle n'est pas au complet. Ils ne peuvent pas jouer. Leur batteur est tombé malade. Si seulement quelqu'un d'autre pouvait le remplacer. Pas du tout. Tu n'as jamais joué de batterie de ta vie. Ça veut pas dire que je peux pas essayer quand même. La señorita a raison, amigo. Tu veux essayer pour voir si tu peux nous suivre? Reconnaissant. Ah, je vous en prie, c'est-il rien du tout? Vous aurez des entrées gratuites, j'insiste. Venez quand vous voulez et amusez-vous bien. Oh.
Amigos, nous avons un nouveau champion, Jackie Chan. En m'affrontant, tu as fait preuve de courage et d'habileté. Tu as gagné mon respect ainsi que le droit de porter cette ceinture de champion. El Toro, tu es un homme d'honneur. Mais je ne peux pas accepter ta ceinture de champion. Je n'ai pas l'intention de devenir catcheur. Mais je voudrais te demander une chose. Gracias, Yaki. Tout ce que tu veux. Je voudrais le talisman qui est incrusté dans la ceinture. Bien sûr, Yaki. Le voilà. Je te suis très reconnaissant de me laisser la ceinture. C'est très important pour moi. Si un jour tu as besoin d'aide, tu pourras toujours compter sur El Toro Fuerte. Tu as été super aussi, Jeanne. Bravo. Reviens jouer avec nous quand tu veux. Merci les gars, je me suis bien amusé. Accepte ce cadeau en gage de notre reconnaissance. Je vous remercie tous. Le plaisir est pour nous. Je ne sais pas comment Jackie a réussi à vaincre l'imbattable El Toro Fuerte, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de te remercier d'avoir sauvé la soirée. Merci Yad. C'est Jad. C'est ce que j'ai dit, Yad. Viens Yad, je veux dire Jad. On n'a plus le temps, il faut rentrer voir l'oncle. Adios amigos. Vous revoilà. Oui, et regardez ce que je ramène. J'ai aidé des musiciens et ils m'ont fait ce cadeau. Génial, non? Laisse-moi voir ça de plus près. C'est peut-être une découverte importante. Oncle avait raison. Ce tambour est l'un des 8 symboles du chi de la légende. Des symboles du chi? Non, symbole du chi, Jade. Le chi est l'énergie mystique que chacun d'entre nous possède en soi. Les symboles du chi sont le seul et unique moyen de renvoyer les démons aux enfers. Des démons? Cool! Ça n'existe pas, Jade. C'est juste une légende, n'est-ce pas? Non, non, oncle te l'assure, les démons sont bel et bien réels. Eh ben j'en ai jamais vu, et je vois pas pourquoi ça changerait maintenant. Jackie, oncle va enchanter le tambour et libérer son pouvoir. Mon oncle, voici les talismans que nous avons trouvés. Ce ne sont pas des talismans ordinaires, Jackie. Il possède une puissance énorme. Selon la légende, il y aurait 12 grands talismans. Comment saviez-vous que ces 3-là étaient au Mexique? Par un ami d'oncle qui habite vers North Beach à San Francisco. Si tu vas là-bas et que tu attends près de la cabine, il te contactera. Attends, je n'ai pas fini. Oui, mon oncle. Tu vas aller à la salle de vente aux enchères de North Beach pour ramener à oncle un Bouddha en marbre. Ce genre de statuette se vend très bien dans ma boutique. Et je devrais payer combien? Le moins possible. Oncle obtient toujours un bon prix. Tu devras faire pareil. Oncle va te donner de l'argent. Ne gaspille pas tout. Attends! Je n'ai pas fini. Avant d'aller où que ce soit, montre au dojo. Oncle a un nouveau défi pour toi. Tu veux t'exercer au combat ou t'entraîner avec le mannequin? Très bien, j'ai préparé une épreuve simple pour toi. Même un enfant y arriverait du premier coup. Tu dois vaincre les ombres avant la fin du temps imparti par oncle. C'est parti! C'était bien, Jackie! Prends ça et reviens me voir pour les autres épreuves.
Tu veux t'exercer au combat ou t'entraîner avec le mannequin? Rester en forme. Oncle ne veut pas de neveu mollassant. Entraînement, Jackie. En forme, tu veux essayer de sauter à la corde avec nous? Cool! Essaye de faire 20 sauts sans toucher la corde. Êtes-vous? Un instant, Jackie. Salut, bienvenue à la section. Content de te rencontrer. Le capitaine Black nous a beaucoup parlé.
Les amis du capitaine Black sont aussi mes amis. Son bureau est juste à côté. Augustus Black, ça fait des années qu'on s'est pas vu. Jackie, bienvenue à la section 13. Je te croyais chez Interpol. Même quand on s'est connu, je dirigeais déjà cette agence. Tu es espion ? Plutôt un policier, Jackie. Membre des forces d'élite. On a appris que tu t'es récemment procuré des talismans dans un temple au Mexique. Pourquoi tout le monde est au courant ? Qu'est-ce que tu veux dire, Jackie ? Des gangsters m'attendaient au Mexique. Ils savaient que j'allais venir chercher les talismans. Tu sais ce que je craignais. Et si tu m'expliquais ? La section 13 a été créée pour enquêter sur des crimes internationaux. La plupart semblent avoir été commis par une mafia appelée la Main Noire. La Main Noire a des connexions avec la quasi-totalité des criminels en activité aujourd'hui. Leur chef s'appelle Valmont. Les gangsters que tu as rencontrés au Mexique étaient probablement ses hommes de main, Finn, Shaw et Razzo. Ouais, c'était bien eux. Nous avons récemment appris que la Main Noire s'intéresse à ces talismans de très très près depuis quelques temps. Pourquoi ? Les talismans ont chacun un pouvoir magique. Il en existe 12 en tout, un pour chaque animal de l'astrologie chinoise. J'ai déjà retrouvé le coq, le lapin et le bœuf. Cependant, nous ne savons pas encore quel pouvoir chacun de ces talismans possède, ni pourquoi exactement la Main Noire les veut. La section 13 aurait vraiment besoin d'un archéologue aussi expérimenté que toi en ce moment. Oh, je ne suis pas un expert, juste un amateur. Un amateur éclairé et talentueux, auquel je fais confiance. Si tu me le demandes comme ça, je vous aiderai avec plaisir. Nous pensons avoir localisé au moins un autre talisman, dans un vieux château japonais. Nous voudrions que tu y ailles pour nous, et que tu rapportes le talisman. Mais comment je vais y aller ? La section 13 va organiser tous tes déplacements à partir de maintenant. Va à la gare de la section 13, et prends le train jusqu'au hangar. Là-bas, un avion t'attendra pour t'emmener au Japon. Sois prudent, Jackie.